Dis-moi, en as-tu marre de te sentir dans l'ombre? Est-ce que tu rêves de faire briller ton talent artistique et de développer ton image? Tu vois, la peinture est bien plus qu'une simple activité récréative. C'est un moyen puissant d'exprimer tes émotions, de te connecter avec ton moi intérieur et de laisser ton imagination prendre le contrôle. Mais souvent, on se retrouve bloqué, coincé dans une routine artistique sans éclat. Et ça peut vraiment être très frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, ne t'en fais pas et suis-moi, car aujourd'hui, je vais te montrer comment peindre comme un pro et propulser ta créativité au sommet. Et si tu le veux, tu pourras apprendre à maîtriser les techniques de peinture les plus audacieuses, à jouer avec les couleurs comme un virtuose et à créer des œuvres qui feront vibrer ton âme et captiveront ton public. Imagine-toi peignant avec assurance et aisance, faisant danser les pinceaux sur la toile et en créant des chefs-d'œuvre qui te démarqueront de la masse. Tu seras l'artiste qui éblouit les regards, qui inspire et qui laisse une empreinte indélébile. C'est ça le pouvoir de la peinture. Et surtout, c'est à ta portée. Ne laisse pas tes rêves rester dans l'ombre. Viens me rejoindre dans cette aventure artistique incroyable. Abonne-toi à ma chaîne, active les notifications pour ne pas manquer mes conseils et astuces artistiques. Et maintenant, ne laisse plus personne t'arrêter. Fais éclater ta passion sur la toile, car rappelle-toi, tu es ici pour peindre beaucoup et développer ton image. Comme support, je te propose cette petite peinture où deux jeunes garçons sautent de rocher en rocher au milieu d'une paisible rivière dans les Hauts de la Réunion. Et oui, encore une fois, il s'agit de la méthode des valeurs colorées. N'oubliez pas que les valeurs, je le répète souvent, sont plus importantes que les couleurs quand on peint un tableau. Et voilà, tout est dit, on pourra arrêter la vidéo à ce stade. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente dont la référence va s'afficher ci-dessus. Sur cette base très précise avec les valeurs, on va ajouter des couleurs diluées au solvant avec un pinceau assez large pour très rapidement colorer toute cette ébauche pour arriver à un stade où on aura déjà une petite idée de ce qui va se passer après, c'est-à-dire du tableau final, simplement avec quelques coups de pinceau. Voici, tout cela prend seulement quelques minutes avec un pinceau large et des couleurs assez basiques. Ne cherchez pas du matériel sophistiqué pour peindre cette peinture. J'ai utilisé seulement deux pinceaux. Non, trois, pardon, un peu plus large au début, mais autrement pour la fin, deux pinceaux seulement, très basiques. Et maintenant, la couleur est plus épaisse, c'est-à-dire que j'utilise plus un médium, ici du médium vénitien, avec quelquefois un tout petit peu de solvant pour la rendre un peu plus fluide, et je vais remplir tout le tableau petit à petit, patiemment, avec des petites touches de peinture plus chargées, en respectant bien sûr la base initiale. Alors cette méthode des valeurs colorées est une méthode de peinture parmi d'autres, mais je pense qu'elle peut être très bénéfique pour quand on commence à peindre, parce qu'on a forcément un résultat. Alors l'étape initiale de l'esquisse bien avec ses valeurs bien précises est très importante à mettre en place. Je vous conseille vraiment de vous entraîner, de peindre régulièrement avec cette méthode, et il serait curieux que vous ne fassiez pas de progrès. Et oui, je vous l'ai déjà dit en introduction. Il est impossible de faire des progrès en peinture sans peindre, donc il faut beaucoup peindre, peindre régulièrement pour progresser. C'est la clé qui vous permettra de débloquer votre talent et d'atteindre des sommets insoupçonnés. Imagine un instant, chaque coup de pinceau que tu poses sur la toile, c'est une étape vers ta perfection artistique. Chaque tache de couleur, c'est une goutte de créativité qui se mélange pour créer un chef-d'œuvre unique. Mais pour arriver là, bien entendu, il faut du travail, de la persévérance et donc peindre beaucoup. Oui, je sais, ça peut sembler intimidant, mais crois-moi, c'est la meilleure façon d'améliorer ton art et de faire exploser ta créativité. Imagine comme ça si tu étais un marathonien. Tu veux gagner la course. Donc est-ce que pour ça, tu vas juste faire quelques foulées le matin avant de prendre ton petit-déj? Non, bien sûr que non. Tu vas t'entraîner dur. Courir des kilomètres et des kilomètres chaque jour pour améliorer tes performances, n'est-ce pas? Eh bien, ici en peinture, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose avec l'art. Si tu veux progresser,
dépasser tes limites et créer des œuvres époustouflantes, tu dois peindre beaucoup, encore et encore. Et je sais ce que tu penses, mais ça va me prendre tellement de temps et d'efforts. Eh bien, laisse-moi te dire que chaque minute, chaque heure, chaque jour que tu passes à peindre, c'est un investissement pour ton talent. Chaque coup de pinceau t'apporte de l'expérience, te permet de découvrir de nouvelles techniques et d'explorer ta créativité. Et je vais ajouter quelque chose d'un peu plus positif. Tu sais quoi? Plus tu peins, plus ça devient facile. Oui, crois-moi, plus tu peins, plus ça devient facile. Tu commences par des petites touches, puis tu te laisses entraîner par le mouvement de ton pinceau, et avant que tu ne le réalises, tu es absorbé dans tout ton art, complètement connecté à ton imagination débordante. Alors laisse-moi te poser une question. Es-tu prêt à faire exploser ton potentiel artistique en peignant beaucoup pour progresser? Es-tu prêt à te lancer dans cette aventure? Je le souhaite vraiment pour toi et pour ta peinture. Et voilà, je continue avec quelques petites touches de peinture rapide. Alors, on va partir du principe que cette peinture étant un contre-jour, elle reste très sombre en arrière et c'est quand même la base qui nous permet de garder cet aspect très foncé de l'arrière, assez bleuté. Et donc, on va le préserver jusqu'à la fin pour bien détacher les personnages qui vont se détacher grâce à un petit liseré de lumière qui les entoure. Le contre-jour est toujours très intéressant en peinture, car il est plus facile de détacher les personnages qu'ils deviennent très foncés sur un fond ici foncé, mais avec la petite auréole claire autour qui va les détacher vraiment et les faire ressortir de la peinture. Bon, je ne vous ai pas parlé de ma palette, mais elle est assez restreinte. J'ai deux jaunes, un jaune moyen et un ocre jaune. Deux rouges, un rouge vif et un rouge cramoisi alizarine. Deux verts, un vert vif et un vert émeraude. Un orange et une sienne brûlée et du blanc. Et j'ai oublié les bleus, un bleu de cobalt et un bleu céruléum. Et on avance progressivement vers cette première étape aboutie qui nécessitera un séchage de quelques jours avant de passer à la phase finale. Alors je vous invite à vous déplacer à 11 minutes 20 sur le compteur de la vidéo pour arriver à cette phase. It's so hard to be near you. You make it hard for me to breathe. And I can't stand to see you smile, 'cause it kills me from within. Your voice is like an arrow that pierces me through the heart. And your touch is like fire that will burn my skin. I wish that I could say what I really feel, 'cause I'm in love with you. Yeah, I'm in love with you. I know I'm not supposed. It's so hard to see you when you are with him. And it's so hard to hear you when he makes you laugh. The ring around your finger is a noose around my neck.
neck that tightens with every hour and every day that passes by. If only you could see that it should be you and me. 'Cause I'm in love with you. Yeah, I'm in love with you. I know I'm not supposed to be, but I am. I'm in love with you. Et voilà, je vais m'arrêter là sur cette première étape avec une peinture pratiquement aboutie, mais j'ai envie de la laisser sécher quelques jours pour bien sûr ajouter des effets de lumière et peut-être même des effets de couleur, même certainement. Donc je vous laisse maintenant découvrir la suite où je reprends à peu près tout le tableau avec toujours les mêmes pinceaux et toujours les mêmes couleurs. Alors vous l'avez compris, il n'existe aucun secret jalousement gardé par les peintres. Il n'existe aucune méthode qui permette d'apprendre à peindre très rapidement et très facilement. Seul compte le travail et la persévérance. Alors si tu appliques cette méthode des valeurs colorées, tu progresseras peut-être un peu plus vite ensuite et libre à toi d'aller plus loin et de créer enfin ton propre style. Allez, courage, à tes pinceaux! You were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat. Every time that our eyes would meet, didn't know back then. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. For someone like me. For someone like me. Good for you, can't you see that I will drag you down? Here at the bottom, I hope that you finally see I'm not good enough. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in? Thought that you could fall for me.
Never thought that you could fall for someone.